La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Oh oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et le chemin du calvaire, il est toi et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Oh, et jusqu'au bout, je peux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour nous.
cité, la cité. Et te dire
Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous lisons un psaume dans le chapitre 104. Psaume chapitre 104, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 104. Quand je lisais ce psaume, je me suis posé la question de savoir si j'ai déjà lu ce psaume, parce qu'il m'a paru tellement nouveau, que le Seigneur soit réellement béni pour cela. Psaume chapitre 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents de ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme, les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux lapins. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire et ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et les léviathans que tu as formés pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de tes biens. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen.
Vierge Jésus. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Vraiment, tu es bon, notre Dieu. Et tout ce que tu fais est vraiment bon. Comme ta parole est dit, Père Saint-Dieu, que tes œuvres te loueront, ô Éternel. Nous sommes de cela que tu as manifesté vraiment cette bonté et cette grâce, mon roi. C'est pourquoi encore ce matin, nous nous tenons dans ta maison avec beaucoup de reconnaissance, mon Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés, Seigneur, ô Dieu. Ce que tu as fait aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, bénis mes Père Saint-Dieu. Et la joie de pouvoir avoir un Dieu comme toi qui manifeste aussi sa bonté, toutes ces réussites que tu as accordées, Seigneur. C'est vraiment une grande bénédiction que tu nous as aussi témoigné aussi, bénis mes Père Saint-Dieu. Louange, honneur à toi pour ce que tu es pour nous, bénis mes Père Saint-Dieu. Et ce matin, nous te donnons encore nos cœurs, nos âmes, bénis mes Père Saint-Dieu, nos pensées, et ce que tu as fait de nous, Père Tout-Puissant, Dieu. Nous voulons que tu puisses te réjouir aussi dans chacun de nos pères. Merci pour chaque cantique qui a été chanté, pour chaque témoignage qui a été aussi donné en cet endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aussi pour tous les frères et sœurs que tu nous as donné la joie de pouvoir avoir. Ils sont aussi en connexion ce matin, partout dans tout le pays, que ce soit
en France, Père Tout-Puissant Dieu, que ce soit en Afrique, partout, Père Saint Dieu, en Asie là-bas, Père Tout-Puissant Dieu, aux États-Unis, au Canada, Seigneur Père Saint Dieu, en Espagne, presque partout, Père Dieu. Nous te remercions pour cet amour que tu nous témoignes aujourd'hui encore, mon bien-aimé Père Saint Dieu. Parce que de ces lieux, ta parole est partie de par le monde, Seigneur, et continue encore par ta grâce, Père Saint Dieu, pour que ton peuple à toi, qui est dispersé dans différents endroits, entendre réellement aussi ta voix, bien-aimé Père Saint-Dieu. Réalise aussi combien tu es tellement vivant et aussi présent. Et aussi, Seigneur, que tu conduis encore aujourd'hui. Sois béni et glorifié, Père. Merci pour chaque frère et chaque sœur qui est venu de loin comme de près. Ce matin encore, bien-aimé Père Tout-Puissant, ayant parcouru des kilomètres, Père Tout-Puissant-Dieu, pour se retrouver ensemble afin que nous puissions avoir la communion autour de ta parole. Nous te rendons gloire et honneur encore pour les psaumes qui nous a été lus, Père Dieu. Pour chaque chose encore, mon bien-aimé Père. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci aussi pour le soutien et le secours. Je te demande cette grâce, mon roi, pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie. Je prie pour qu'il vous donne vraiment ce que votre cœur désire. Qu'il soit votre force. Et aussi un secours qui ne manque pas de la détresse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Chaque jour, nous réalisons toujours l'amour de notre Dieu, ses compassions et aussi sa miséricorde, comme l'Écriture le fait savoir qu'il est miséricordieux et lent à la colère, et aussi riche en bonté. Nous voulons vraiment saisir ces instants qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. C'est comme la Bible le dit, jour de la grâce, je t'exaucerai, jour du salut, je te secourrai. C'est vraiment le temps favorable dans lequel nous nous trouvons, où le Seigneur, notre Dieu, n'est pas vraiment très loin. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il a dit que nous le trouverons certainement. Qu'il nous aide à pouvoir vraiment aussi le chercher très sincèrement de tout notre cœur. Tout cela aussi, c'est pour notre bien. Nous ne devons pas nous contenter de l'état dans lequel nous sommes. Nous devons vraiment pleurer et soupirer après Dieu pour que réellement nous puissions atteindre ces changements véritables. Pas que nous nous contentons nous-mêmes en nous disant que nous avons fait beaucoup de choses, nous sommes changés nous-mêmes, effectivement, mais que nous puissions réellement réaliser le véritable changement dans notre vie, dans notre marche de tous les jours avec Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait dans 1 Corinthiens au chapitre 15, cela qui disait que je vous rappelle donc, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, celle que je vous ai donc prêchée et enseignée, pour autant que vous le reteniez, comme je vous l'ai donc prêché. Autrement, vous aurez cru donc en vain. C'est toujours très touchant quand on peut entendre que vous aurez cru en vain, c'est-à-dire que vous avez cru, mais votre foi est vaine. Est-ce que tout ce que vous pouvez faire, sans que ce soit conforme à ce que Dieu dit, c'est en vain qu'on peut tout faire cela. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse, qu'il nous donne vraiment le cœur obéissant et soumis effectivement aussi à la parole de Dieu et les oreilles aussi ouvertes, aussi attentives. Qu'il soit béni pour tous les bienfaits qu'il nous accorde dans ces lieux. Aujourd'hui, nous avons vraiment le bonheur et la joie dans la maison de notre frère Daouda, les docteurs. Hein. Oui, Dieu a réjoui notre cœur. Qu'il bénisse richement notre précieuse sœur Imelda. Elle est quand même particulière. Hein? Imelda, c'est Imelda. Hein? Même si elle est là, elle est toujours là. Non.
Que Dieu la bénisse. Aïe, 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 Dieu est bon. Que Dieu te bénisse, docteur. Tu nous réjouis de pouvoir avoir quand même toute une lignée d'enfants, effectivement, aussi. Et moi, je suis le plus heureux. Toujours, hein? Je vous l'ai dit, hein? J'ai toujours un ami de plus. Alors ça, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Que Dieu bénisse les grands-parents. Ouais. Ce matin, nous avons eu la joie. Moi-même, j'ai été tellement surpris de voir notre précieux frère Zaché. Que le Seigneur te bénisse, mon précieux frère. Nous t'aimons beaucoup. Tu as vu la joie de ce peuple, effectivement, aussi. De te démontrer qu'il t'aime énormément aussi. Nous prions que notre Seigneur te garde longtemps, qu'il te donne une bonne santé, que tu continues à pouvoir le servir. Et combien encore c'est magnifique et merveilleux que tu es devenu encore grand-père. Ma sœur Carole aussi, grand-mère. Notre sœur Trifonie aussi, grand-mère. Quel bonheur, l'oreille. Quel bonheur. Et nous aussi, nous sommes devenus. Dieu est bon pour nous. Hein? Nous allons remercier notre Dieu. Tendre Père, précieux Sauveur, tu vois la joie qui inonde nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce que tu as fait dans la maison de notre précieux bien-aimé frère. Oh, petit Bissant Daouda, Seigneur, cet enfant qui t'aime vraiment, Père. Aussi simple, petit Bissant, jamais de problème. Mais Seigneur, a su dire à ta maison, qui te sert de tout son cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec sa maison, comme il voulait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec notre précieuse sœur Imelda, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, que tu la bénisses là où elle est, Seigneur. Merci de lui avoir permis de pouvoir nous donner encore un bébé et en bonne santé. Elle-même aussi, tu l'as gardé aussi en bonne santé. Toujours dans ta maison, malgré Patibissant, la taille même de sa grossesse et les temps même de lui, mais elle est toujours là. Non, que tu la bénisses, Père. Qu'elle soit bénie et fortifiée encore. Bénie les grands-parents et les parents aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois béni pour ce que tu fais. Pour nous aussi, Père Tubissant, encore en ces jours, souviens-toi aussi, Père Saint-Dieu, de ceux qui attendent encore le bébé, parce que nous désirons encore, Père Tubissant, le voir aussi, le tenir aussi dans nos mains, pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes venus aussi pour avoir communion avec nous, que nous entendons que bientôt vous allez donc rentrer. Je pense à notre frère Frédéric qui est venu de Metz. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il soit avec toi sur ton chemin de retour. Qu'il bénisse aussi ta famille de l'autre côté, car nous vous aimons beaucoup. Nous savons combien vous aimez le Seigneur. Même de loin, vous êtes toujours accrochés à pouvoir marcher avec Dieu, aller servir, toujours croché à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, bénisse ton épouse et aussi tes enfants. Nous sommes heureux et nous étions aussi dans la joie que tu sois parmi nous aussi. Et vous qui êtes venus aussi, hein, que Dieu vous bénisse. Dans de la France aussi, je pense à ma sœur Esther de Roubaix et tant d'autres aussi qui sont venus. Notre précieux frère Daniel avec toute sa famille, qui sont venus aussi de loin. Quel bonheur, quelle joie. Notre sœur Violetta a réussi. Ah oui. Elle est diplômée maintenant en Belgique. Et le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment béni et glorifié. Dieu soutient ses enfants. Quand on est fidèle au Seigneur, avec les difficultés, vous connaissez les épreuves par lesquelles ils ont traversé. Mais toujours accrochés à leur Dieu, avec leurs enfants aussi, toujours dans la maison du Seigneur, Dieu fait de merveilles. Amen. Vous vous souvenez de leur témoignage, je pense peut-être que la sœur ne l'a pas rendu, probablement, c'est de leur séjour, et séjour effectivement pour lesquels ils se battaient, que l'administration disait ceci et cela ainsi. Mais regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire les choses. C'est que vous avez prié ici. Pour notre sœur et le Seigneur a accordé la grâce que l'administration et aussi
la mairie effectivement de chez eux ont pris cette décision de pouvoir dire qu'effectivement que nous avons observé l'attitude et le comportement ainsi pour elle et que nous établirons effectivement un contrat de travail parce que nous allons donc l'engager. Et avec ces contrats de travail, l'engagement qu'elle va avoir, l'administration va lui donner ce qu'on appelle le séjour. Non seulement pour elle, mais aussi pour son mari, mais pour aussi sa maison. Que le Seigneur bénisse leur fidélité, leur amour. Nous les aimons beaucoup. Et pour eux qui sont venus de El Salvador, en atteignant ici, ils sont toujours persévérants. Mon frère Daniel, que Dieu te bénisse. Ma sœur Violetta, que le Seigneur te bénisse. Et les enfants que nous aimons, qu'ils nous réjouissent. Qu'ils bénissent donc ta maison. Et qu'ils t'accordent vraiment ce que ton cœur désire. Nous sommes heureux, nous nous réjouissons de tous les bienfaits que Dieu accorde. Que Dieu bénisse aussi notre sœur Rachel, qui va donc rentrer à Toulouse. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Ton témoignage a touché le cœur, effectivement. Et nous prions pour que le Seigneur continue à pouvoir te soutenir et t'aider à pouvoir encore davantage persévérer, à rester confiant dans la voie du Seigneur. Il agira certainement pour tous tes besoins. Que le Seigneur t'accompagne aussi sur le chemin de retour. Nous étions heureux de pouvoir te revoir. Nous serons encore heureux de pouvoir te revoir. Nous nous réjouirons encore davantage quand tu nous reviendras. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Tous ceux qui ont réussi. Que Dieu soit béni. Marie, elle a combattu. Hein? Oh là là, que des nombres de fois. On essaye. Ça ne marche pas, on essaie. Mais la persévérance paye. Parce que Dieu nous réserve toujours quelque chose de bien lorsque on persévère. C'est la nature qui doit avoir les enfants de Dieu. J'étais heureux de voir aussi David, de ma bien-aimée sœur, Marie Chantal, qui venait. Il est rentré dans mon bureau, je le vois souriant. J'ai dit, si un enfant il est content en me voyant et qu'il sourit, c'est qu'il a une bonne nouvelle. Je les vois avec ton bulletin live, nanana, parce que c'était difficile avec David. Là-bas, l'école, les professeurs, on a intervenu, et ce caractère, tout ça. Alors je le regarde, je dis, partout on dit, well done, well ceci. Je dis, gloire à Dieu. Donc dans tout le cours, il a réussi sans problème. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet enfant venait de Bruxelles, un Bruxellois qui est allé dans la Flandre et il doit étudier en néerlandais. Et c'est passé comme une lettre à la fin. Dieu est bon pour nous. Il nous soutient. Je remercie Dieu pour tous ceux qui ont réussi. Et je remercie Dieu aussi pour ceux-là aussi qui vont réussir. Ah oui. Parce que tous, ils vont réussir. Nous avons prié pour cela. Ils ont donc la réussite. Que Dieu, notre Seigneur, soit donc glorifié. C'est toujours merveilleux de pouvoir se retrouver, de pouvoir avoir ces instants que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir. Et comme je l'ai dit aussi dimanche passé, ça doit être quelque chose qui doit certainement nous animer aussi. Je remercie le Seigneur qui a eu à consoler aussi notre sœur Grâce et toute sa famille. Vous vous souvenez, non? Que le Seigneur bénisse notre sœur Grâce et Odette aussi. Et notre sœur Kyria, je pense, c'est cela aussi. Et le papa, vous connaissez le papa, non? Sans oublier notre frère Joao aussi. Que le Seigneur le bénisse et le console. Nous ne les avons pas oubliés, nous prions pour eux. Afin que le Seigneur le console également. À vous tous aussi, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et peu importe le problème que vous avez, le Seigneur notre Dieu agira. Puisque nous avons confiance en lui. Il nous donnera vraiment. Et je prie pour que le psaume 20 s'accomplisse pour chacun de vous. Quand vous rentrerez chez vous à la maison, prenez-le pour vous. Que Dieu
bénisse chacun de vous et qu'il vous restaure effectivement aussi. Nous nous réjouissons de ce moment, comme je disais encore. Nous en avons eu à pouvoir faire l'expérience la fois passée. Ça doit être quelque chose qui doit être dans notre cœur. Quand nous allons terminer la réunion, le volet sera fermé. Alors, je demanderai à frère Jacques ou à frère qui sera là, personne. Alors, il faut veiller parce qu'on va entendre, quand on va terminer, quelqu'un va se glisser un peu. Non, le volet reste fermé. S'il y a moyen de mettre un cadenas, je ne sais pas, mais le volet reste fermé. On va se retrouver là-bas, avoir communion. Parlez avec votre frère et votre sœur. Et après, vous allez prier et puis vous pouvez rentrer chez vous. Nous avons besoin de la communion fraternelle. C'est quand nous sommes un peu détachés comme ça, on forme des petits groupes à gauche et à droite, que le diable maintenant profite. Mais maintenant, cassez les groupes. Brisez les habitudes. Allez-y les uns vers les autres. Et parlez, demandez à ton frère, comment ça va? À ta sœur, comment ça va? Et un instant, priez quand il a dit, priez ensemble, parlez, communiez. Ça va faire qu'effectivement que la foi, l'amour va grandir encore les uns envers les autres. Que le Seigneur, notre Dieu, vous aide. Parce que la fois passée, je puis comprendre qu'il y en a des c'est. Quand même, j'ai dit quelque chose, j'ai demandé. Alors, je suis quand même votre pasteur. Quand j'ai dit quand même quelque chose ici, c'est l'obéissance qui doit suivre. Et ça, dans tous les domaines. Alors, quand j'ai demandé que les volets soient fermés, il faut que les volets restent fermés. Tous les frères et sœurs restent ici, prennent communion, les temps de communion, et après, on peut partir. Donc, aujourd'hui encore, je demande que frère Jacques et frère Élie. Élie, il faut bien que tu entendes bien. C'est-à-dire que avant même que la réunion se termine, tu te mets dehors. Si quelqu'un dit, je dois partir, dit, le pasteur a dit non, on reste ici. Parce que nous avons toujours eu à pouvoir dire ici. Les dimanches, ne prenez pas des rendez-vous. C'est un jour qu'on a donné au Seigneur. Si vous avez des rendez-vous du business, faites-les quand même les vendredis et les samedis. Dimanche, quand on vient, on dit, Seigneur, c'est ce jour aussi qui est consacré à toi. Je vais rester aussi avec la parole de Dieu ici, avec mes frères et sœurs. Je n'ai pas dit que j'allais dormir ici. J'ai dit simplement que pour un moment, que vous appréciez votre frère. Il y en a de ceux qui viennent même pour la première fois, vous n'avez même pas l'occasion de pouvoir leur parler. Ce n'est pas une bonne chose. Prenez le temps de pouvoir quand même accueillir ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui sont venus pendant de la France, de ceci, cela. Et puis, ce qui veut dire que s'ils viennent de loin, prenez le temps quand même de parler. Si vous n'avez pas eu l'occasion de parler avec les frères, comme frère Frédéric et tout ça, et vous le bloquez. Frère, ça fait longtemps, je te vois de loin, je vais te dire comment ça va. Donc, tout un chacun de vous, il faut qu'il y ait cela aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Et comme j'ai demandé que les volets soient fermés, les volets seront fermés. Tu murmureras, mais il n'y a pas de problème. Pour aujourd'hui, le volet sera fermé et nous avons besoin de pouvoir nous saluer comme la Bible l'est dit. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons prendre cela, nous levons l'émission. Ézéchiel au chapitre 18, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Voilà. Ézéchiel chapitre 18, nous lirons au verset 20. Ézéchiel 18, verset 20, nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voici dans ta maison et devant ton trône de grâce, mon Père Saint-Dieu. Et comme l'avons aussi entendu, ta maison à toi, c'est une maison de correction. Et c'est là, effectivement, que le jugement commence aussi, parce que tu veux nous instruire et nous apprendre encore davantage pour que nous puissions voir clair, et surtout, comment vivre avec toi, comment te servir et marcher avec toi. Tu es Dieu et tu es saint.
Tu es glorieux, merveilleux, Père Saint-Dieu, et tu aimes être adoré, être servi, Seigneur. Oh Dieu, c'est comme cela que tu l'as dit dans la Sainte Écriture, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit donc et en vérité, Seigneur. Aide-nous encore ce matin que nous puissions apprendre, Père Saint-Dieu, à pouvoir te servir comme tu le veux, selon donc ta parole à toi. C'est pour ça que nous venons dans cet endroit, Seigneur, pour apprendre à pouvoir devenir meilleur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est parce que tu veux réellement notre perfectionnement. Sois béni, sois glorifié. Tu es le Dieu dont nous avons besoin de pouvoir nous parler, Père Saint-Dieu. Écarte-moi, Père Saint-Dieu, aide-moi encore davantage. J'ai vraiment besoin de toi, parce que chacun de nous a besoin de ta parole pour aussi vivre pour cela. Et tu dis que l'homme ne verra pas de pain seulement toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que nous nous accrochons à toi encore aujourd'hui. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements, Père Tout-Puissant, Dieu. Pardonne tout ce qui est mauvais à nos pères. Mais aide-nous encore ce matin, car nous avons besoin de toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous lisons, effectivement, que nous venons de lire dans les Saintes Écritures, c'est la déclaration claire, et précise et profonde de ces dieux, effectivement, qui a créé les cieux et la terre, il a créé aussi l'homme. Il a créé l'homme, effectivement, pour qu'il puisse vivre et surtout aussi pour qu'il puisse dominer sur donc, la terre. Alors, vous avez remarqué, effectivement, que quand nous avons, et nous lisons dans les Saintes Écritures, comme dans le livre de la Genèse, effectivement, qui est le livre du commencement, effectivement, nous pouvons voir effectivement l'intention, les désirs et la pensée de Dieu lorsqu'il a déployé effectivement les cieux de la terre. Parce que quand il a fait tout cela, la Bible nous fait savoir que tout ce que Dieu faisait était bon. Il a même déployé les firmaments et tout ça, effectivement aussi, les luminaires dans l'espace, effectivement, pour éclairer aussi, pour les temps aussi, l'espace-temps aussi, ainsi de suite. Dès lors aussi, et quand il a fait tout cela, effectivement, et puis il dit effectivement que Dieu dit que faisons donc l'homme à notre image, selon donc notre ressemblance, ainsi de suite. Et Dieu créa donc l'homme à son image. Et c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Il l'a tellement aimé qu'il a placé l'homme dans un environnement glorieux où tout ce qu'on pouvait désirer, comme l'ordre fur, tout ce qui était vraiment merveilleux, eh ben c'était là, effectivement. Tout ce que l'homme pouvait avoir comme désir était là, dans le jardin, dans le lieu dans lequel, effectivement, Dieu l'avait donc placé. Voilà que étant dans cet endroit, vous pouvez comprendre que si Dieu a fait tout cela et qu'il a placé là-dedans, c'est pas pour que l'homme puisse mourir, monsieur. Non. Parce que l'intention, la pensée de Dieu n'était pas que l'homme puisse mourir. C'est pour ça qu'il a fait toutes ces choses, il a placé. Mais il vient de lui dire effectivement une chose, il dit, mais de tous les arbres du jardin, tu pourras manger. Mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, c'est ce jour-là où tu mourras. Ça veut dire que si quelqu'un te dit comme ça, c'est parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu meurs. Sinon, on pouvait te laisser, effectivement, ben, tu fais ce que tu as envie de pouvoir faire. Hein, si tu ne veux pas, ben, tu continues, ben, de toute façon, si tu fais ce que tu veux faire, effectivement, ça veut dire que tu finiras par pouvoir toucher, tu mourras, et puis bon, je n'ai rien à faire. Mais non, comme lui, il voulait que l'homme vive. C'est pour ça qu'il lui a donné cela, effectivement, en disant que non, il y a tous les arbres, tu peux manger. Il y en a beaucoup. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y touche même pas. Et ne mange même pas, parce que si tu le manges, c'est fini, donc tu mourras. Et dès que toi et moi, ce serait la séparation. Il a prévenu cet homme qui a eu à pouvoir goûter au bien de Dieu, en fait. C'est-à-dire que, qui a eu la grâce de pouvoir, en fait, apprécier la présence de ces dieux, la puissance de ces dieux, parce que Dieu était toujours là avec Adam, et Adam pouvait voir, effectivement, qu'il savait que c'était Dieu qui lui parlait, qui a créé toutes ces choses, parce que quand il a créé tous les animaux, il les a appelés lui-même. Il dit à Adam, maintenant, donne des noms aux animaux. Il voyait que c'était lui, le créateur et le maître qui dominait. Alors maintenant, il dit, donne maintenant
le pouvoir, l'autorité, effectivement, sur les choses que maintenant, lui-même, il a donc créées. Parce que, lorsqu'il l'a amené à l'existence, effectivement, il a dit, enfin, qu'il domine, en fait, sur toutes choses. Et Dieu lui montra cela. Donc, cet homme, effectivement, il se sentait tellement bien, et il voyait, effectivement, comprenait, effectivement, aussi, les désirs de ces dieux, c'est qu'ils vivent. Qu'ils puissent vivre. C'est pour ça aussi que dans cet élan d'amour, il lui a montré effectivement tout ce qu'il pouvait arriver à pouvoir faire. Et il lui a montré la chose qu'il ne pouvait pas et qu'il ne devait pas faire. Parce que le jour où tu le feras, c'est sûr et certain que tu mourras. Vous pouvez regarder, frères et sœurs, que Dieu ne ment jamais, Dieu est vrai et que même ses intentions sont vraies et sont pures aussi. Quand on regarde dans la création, effectivement, regardez combien de jours l'homme a pu vivre. Parce que si cet homme-là a été créé pour pouvoir partir, mourir, mais il ne pouvait pas arriver à pouvoir vivre autant. 964, 934, quelque chose comme ça, effectivement, que Adam a vécu. Oui. Donc plus de 900 ans. Et ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est que merci beaucoup. Merci. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que c'est de voir effectivement que dans ces années qu'il avait atteint, par exemple, 300 ans ou 400 ans, vous vous rendez compte si vous comptez un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis déjà dans ce temps, dans cette période, nous sommes quand on atteint déjà 40 ans, on commence à pleurer. Ah. Et puis 50 ans, oui, c'est comme le tombeau est ouvert. 60 ans, c'est fini, ménopause. Ah, vraiment. Mais remarquez très bien que Adam, c'était encore la jeunesse. 40 ans, c'était quoi? 100 ans, c'était quoi? Parce que cet homme ici, même à 400 ans, il pouvait mettre encore au monde. Il était un homme formé de la même matière que nous. C'est pour que vous compreniez que ce Dieu que nous servons, il est vraiment le Tout-Puissant. On ne peut pas le limiter. S'il n'avait jamais fait, on pourrait dire, ah, c'est un peu historique. Non! Mais là, Adam, même à 400 ans, il pouvait mettre des enfants au monde. Il était vigoureux, monsieur. Il a pu vivre 900 ans, toujours aussi fort. Vous savez, on n'a pas lu que quand il a atteint, par exemple, 500 ans, et la maladie commençait à affaiblir son corps. Puis on nous parle aussi des médecins là. Je ne sais pas si vous lisez, vous pouvez quand même lire là. Ça nous inquiète aussi. À quel âge ils ont eu à pouvoir enfanter? C'est pour dire simplement, frères et sœurs, que l'homme que Dieu a créé, il n'y avait pas de défaut pour qu'il puisse avoir des complications, en fait. Parce que le cœur pouvait battre jusqu'à 800 ans sans affaiblir. La vue n'a pas baissé. On ne nous a pas dit que oui, Adam cherchait l'opticien. Non. C'est la vérité. C'est, vous êtes assis, vous me regardez, vous écoutez. Je ne vous raconte pas mon histoire. Je vous dis ce que le Dieu Tout-Puissant a fait et qui s'est passé, pas dans le ciel, mais sur cette terre où nous sommes. Donc, il n'a pas cherché l'opticien, même à 120 ans. Ses yeux ne sont pas devenus flous. Parce qu'à 300 ans, il voyait aussi bien. 400 ans, la même chose aussi. Donc l'homme que Dieu a eu à pouvoir créer
Il avait tout ce qui était nécessaire que Dieu lui avait doté pour qu'il vive. Mais vous avez remarqué quand même quelque chose qui est important, que Dieu dit toujours, parce que nous ne devons pas rentrer dans les habitudes, effectivement, et s'autosuffire en se disant que avec cette connaissance qui est ici, donc, on fait déjà des déductions de soi-même. Comme j'entends souvent la plupart des gens qui disent, ah, nous sommes l'épouse. Ah, nous sommes l'épouse, effectivement. Moi, j'entends ça beaucoup plus à l'extérieur parce que, bon, voilà. Toujours l'épouse, ah, l'épouse, l'épouse, les brides, tout ça, non. C'est-à-dire qu'on se considère déjà. Et ça, c'est un défaut. Les Boussaïs, ils sont tellement orgueilleux qu'ils croient qu'ils sont donc arrivés. Vous savez, nous avons besoin de pouvoir vraiment voir clair pour pouvoir être vraiment rassurés davantage à nous-mêmes par rapport à ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait réellement la promesse. Nous allons voir clairement un peu par la grâce du Seigneur. Donc, l'homme que Dieu a créé, il lui a doté de tout ce qui était nécessaire pour que il viva, comme nous pouvons le voir dans les Saintes Écritures, effectivement, parce que vous pouvez peut-être dire, mais peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, hein, peut-être voir un peu ici dans la Bible, cela aussi, voilà. Voilà. Genèse chapitre 5. Voilà. Voilà. Regardez bien. Genèse chapitre 5, verset 1, il nous dit, je vais lire quelques portions. Voici donc les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit donc à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Vous entendez cela? 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Vous entendez cela? 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. 9, 3, 0. Puis il mourut. Maintenant écoutez bien. Seth, âgé de 105 ans, ça, hein, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra donc des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il... Vous voyez la longévité? Si on continue, ainsi vous allez voir. Ce qui veut dire que ce n'était pas des histoires, mais c'est la vérité. La réalité, effectivement, c'est-à-dire que le corps de l'homme, comme il est, en fait... Dieu l'a constitué pour qu'il vive longtemps. Bien sûr que oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le jour de l'homme soit aussi raccourci? C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire à Adam lorsqu'ils étaient là. Il dit... De tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Parce que le jour où tu en mangeras, c'est ce jour-là qu'il entend pour la première fois qu'il peut mourir. Mais moi, je vous pose un peu une question, frères et sœurs. Quand
on te met devant une situation où on te dit, si tu prends ça et tu fais ceci, tu vas vivre. Parce que chaque être humain qui est créé sur la terre a besoin de vivre. Il n'y a pas un frère ou une sœur ici, que ce soit même des jeunes hommes, qui dit en tout cas, moi je veux quand même qu'on me coupe la tête. Personne. Vous vous battez parce que quand vous êtes malade, vous vous battez pour que vous puissiez être en bonne santé. Pourquoi? Pour la survie. Personne ne veut mourir. Donc chacun, mais il faut quand même qu'il y ait quand même quelque part, ne fût-ce qu'une intelligence, une sagesse, quand même, ne plus qu'un fume au-dedans de soi pour réfléchir un tout petit peu. On te dit bien que si toi, tu gardes ceci, tu vas vivre. Mais si toi, tu fais ça, tu vas mourir. Et en plus de cela, Dieu t'a donné l'intelligence de savoir la différence des choses aussi. N'est-ce pas vrai? Bien sûr. Puis tu as pu voir effectivement les merveilles de Dieu, tu connais effectivement cela, donc tu réfléchis quand même. Donc un homme qui est intelligent et sage, il ne pourra jamais prendre cette voie-ci. Parce qu'il s'est dit, mais si je prends ça aux maladies, effectivement, par celui qui m'a quitté, il m'apprend maintenant que là, je veux mourir. Est-ce que vous suivez? Il faut quelque part que tu sois vraiment amnésique ou soit quelqu'un qui n'a vraiment pas d'intelligence du tout pour que tu puisses te dire, je vais choisir ça. C'est comme si aujourd'hui on met ici à droite un verre d'eau. Parce que ton corps a besoin de l'eau. Tu as soif, on met un verre d'eau ici. Et là, ici, à votre gauche, on met un verre avec du poison dedans. Tu as soif. On te dit, voilà. Ça, c'est un verre d'eau. Si tu bois, c'est bon pour ton corps. On te dit bien clairement. Ça, c'est un verre dans lequel il y a du poison. Si tu prends ce verre et tu bois ça, tu vas mourir. Mais si tu prends ça, tu vas vivre parce que c'est bon pour ton corps. C'est clair. Mais maintenant, on te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire comme choix? C'est quand même très clair. Hein? Mais les choix, parfois, sont difficiles à pouvoir faire. Mais la chose est tellement si simple. Mais faire le choix, c'est difficile. Vous dites, ah, frère, mais c'est pas possible, c'est pas difficile. Là, je vois qu'il y a de l'eau ici, c'est un poison. Je sais, c'est un poison. Je ne peux pas prendre le poison. Je dois prendre de l'eau. Normalement. Quelqu'un qui est vraiment et qui est convaincu de la personne qui lui dit cela. Parce que Dieu te bénisse. Parce qu'il n'a jamais goûté le poison. Il faut avoir confiance dans la personne. Et réaliser que cette personne, il veut vraiment que tu vives. Quand tu peux comprendre vraiment que lui, vraiment, il ne peut pas penser du mal de moi. Donc s'il me dit que ça c'est un poison et que ça c'est de l'eau, c'est sûr et certain qu'il a raison. Et comme je suis donc averti, c'est sûr et certain que je vais m'accrocher à ce verre d'eau ici. Chaque fois que je le bois, je vivrai. Voilà comment était donc Adam dans le jardin d'Éden. Il avait une confiance vraiment forte et sincère et vraie envers celui qui lui a parlé. Parce que pour Adam, ce n'était pas un étranger.
Vous vous dites, nous connaissons, mais je vous en supplie, abandonnez un peu votre façon de dire, je connais, pour écouter simplement, afin que vous puissiez comprendre ce à quoi Dieu veut que nous puissions saisir. Parce que l'orgueil de la connaissance enfle, hein, et vous floutez un peu la pensée comme ça, et vous êtes toujours pareil, et vous sortez toujours pareil, effectivement, et vous croyez qu'effectivement, que nous, en tout cas, nous sommes. Mais regardez très bien, c'est très important. Adam n'était pas ignorant de la personne qui lui parlait, en fait. Donc, il savait, effectivement, que d'ailleurs c'est cette personne, c'est la personne donc, qui lui a amené à la vie, en fait. C'est lui qui l'a créé, donc il ne peut pas vouloir. C'est comme une maman qui vient de mettre son bébé au monde, et puis qui lui fait sortir, il dit, tiens, maintenant, il dit, bon, là, je vais te mettre un couteau. C'est pas possible. D'abord, il a la joie de voir son bébé, parce qu'il a pleuré d'abord. Il disait, c'est pas possible qu'une maman mette au monde son bébé, et puis qu'il mette le couteau après. C'est impossible. À ce moment-là, c'est pas une maman, c'est un âne sauvage, ou quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. Parce que vous remarquez très bien qu'une mère, elle est même prête à donner sa vie pour son enfant. Protège. Donc, il ne peut pas vouloir du mal. Donc, l'enfant aussi reconnaît que c'est ma mère. Donc, s'il me dit ça, c'est ma maman. Vous comprenez, non? Cette confiance, effectivement, quand l'enfant voit cet amour, combien vous l'avez entouré d'abord dans le ventre, effectivement, pendant 9 mois, et puis il est sorti tous les jours, vous pleurez avec lui, vous faites des insomnies. L'enfant voit cela. C'est pour ça que quand même on est devenu des vieux, on peut dire « Maman !» Papa, papa, vous ne trouvez pas dans les robes qui dit papa, non, toujours même, même à 150 ans, maman, maman, il dit, mais quand même, tu es vieux. Eh bien, c'est toujours maman. Parce qu'on connaît l'amour de notre maman, il ne peut jamais te vouloir du mal. Alors on a confiance à maman, même si elle te donne une gifle ici. Tu vas venir, aïe, 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 maman. Parce que tu dis que non, il ne peut pas me faire du mal. Mais s'il me corrige, c'est parce qu'il voit que ce que je fais n'est pas bon. C'est comme cela, effectivement. Donc, Adam connaissait très bien qui était avec lui et ce que lui, il lui disait. Il savait, il croyait que 100% tout ce qu'il dit est vrai. Pourquoi est-ce que nous désobéissons à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que nous désobéissons à la parole de Dieu? Mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Quand on parle de foi, on dit, ça veut dire que nous n'avons pas confiance, que nous ne sommes pas certains que c'est Dieu qui nous parle, il a la capacité, et ce qu'il nous dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que regardez très bien, mon frère et ma soeur, dans les jardins d'Éden, vous vous souvenez de cela, les serpents, il n'est pas allé très loin, il était là, il est venu quand même là. Vous vous souvenez? Et je vous l'ai dit, l'autre fois, j'ai dit, mais pourquoi n'a-t-il pas approché Adam? La question que vous vous poser, ça va, c'est si. Qui a eu plus d'expérience avec Dieu par rapport à la femme? C'est quand même Adam, frère et soeur. Vous ne devez quand même pas hésiter. C'est biblique, non? Vous devez lire vos Bibles. Parce que c'est d'Adam que Dieu donna un profond sommeil. C'est-à-dire qu'il a parlé avec Adam. Donc, Adam connaissait bien Dieu. Parce que Ève n'était pas là. Il était encore dans Adam. Mais Adam, lui, il voyait, il savait tellement très bien, il a bien observé la création avec son père, il parlait très bien, il a eu une confiance, il dit, je le connais. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, frères et sœurs, quand un frère, quand une sœur n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'il ne connaît pas encore Dieu. C'est sûr et certain. C'est pourquoi que la Bible dit que résister à Satan d'une foi ferme.
Et pourquoi on parle d'une foi ferme, effectivement? Parce que elle se positionne sur une personne dont vous avez confiance. Ah, bien sûr que oui. Parce qu'une foi ne s'accroche pas en l'air comme ça. Et s'appuie sur quelqu'un. Bien sûr que oui. Et s'appuie sur la parole de Dieu. Et vous m'entendez très bien, non? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, on nous dit, son nom est la parole. Bien sûr que oui. Donc il y a quelqu'un qui porte ce nom. Donc il est la parole de Dieu. Voilà. Parce que quand on dit la parole, ce n'est pas en l'air. Hein. On nous dit qu'au commencement était la parole. Mais ce n'est pas vrai. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous le croyez? Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit effectivement dans Colossiens chapitre 1, verset 15? Toute la plénitude de la divinité. C'est cela, non? Donc la parole de Dieu est un nom. Tout ce qui est Dieu, donc tout ce qui est la parole, eh bien c'est trouvé là. Et on l'a vu, on l'a manifesté comme la gloire du Fils seul engendré, venu de Dieu. Et la parole a été faite, la voici, monsieur. Que Dieu nous aide. Amen. Frères et sœurs, allez dans l'enlèvement qu'on ne vous chante pas. Hein. Ce n'est pas avec tout ce que nous sommes en train de pouvoir penser, faire effectivement, que nous pouvons dire, nous espérons, c'est juste ces jours-là, je serai. Tu peux oublier. Quand tu dis, tu seras par ton cousin, ton père et ta mère, je ne sais pas moi qui c'est, puis tu te fourvoies dans tout ce que tu es, que tu fais, que tu dis que je vais y être. Non, je vous ai toujours dit ici, frères et sœurs, Dieu n'a jamais changé. Ce n'est pas un éboueur pour ramasser des saletés. Je le répète encore, il n'est pas un éboueur pour ramasser des poubelles de saleté. Il a dit, puisque je suis saint, vous serez donc saints. Sainteté donc à l'Éternel. Alors, vous pouvez remarquer que il endormit donc Adam, il fit donc sortir effectivement donc, sa femme donc, qui est donc Ève. Tout le temps que Adam a eu à pouvoir vivre l'expérience avec Dieu, Ève n'était pas là. Ah, Jésus-Christ est bon. Dieu bon. J'aime bien la chorale. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je prie pour vous. Pour que vraiment que le Saint-Esprit soit. Il vous remplisse davantage. Mais que vous appreniez. Vous avez un rôle tellement si important. Ne laissez pas effectivement des démons vous suyer d'une manière ou d'une autre. Ni dans vos pensées, ni dans ce que vous êtes, dans votre façon de vous tenir. Et ceci. Mais je crois qu'il faut qu'on mette quand même de l'ordre dedans aussi. Parce que quand on sert Dieu, il faut savoir bien se tenir aussi. Toute désobéissance doit quand même être punie aussi, ce qu'il a mis aussi. On doit quand même revenir à cela aussi. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des choses comme cela aussi. Oui, j'en prends la responsabilité. Ce que j'ai dit, ça va se faire. Nous devons veiller à ce que... Vous savez ce que la Bible dit, sentinelle? Quand je dirai au méchant, si toi tu ne lui dis pas en fait, et que le méchant meurt dans son iniquité, dans son péché, je te redemanderai son sang. Voilà, ça que je pense que... Vous devez comprendre que j'ai la responsabilité de ne pas laisser toutes les saletés sévir en fait dans les choses de Dieu, parce que
c'est pas à ton papa ou à ta maman ou à ton cousin ou à ton oncle ou à ton grand-père qu'on va demander en fait. C'est moi qu'on va demander. Alors, je ne m'occupe pas de la réaction de qui que ce soit en fait. C'est important que ça soit compris aussi. Nous prêchons la parole de Dieu pour qu'elle soit mise en pratique. L'obéissance et le respect aussi dans les choses de Dieu. Aussi. Vous savez, vous connaissez Acan. Vous connaissez, non? Le camp d'Israël était consacré à Dieu. Mais une seule personne. À cause de sa désobéissance, il a amené la mort dans les camps. Gloire soit rendue au Seigneur pour Josué, qui ne participait pas à cela. Josué était consacré pour que les choses de Dieu aillent de l'avant. Mais maintenant, quand il a prié, que Dieu lui a révélé, mais il y a quelque chose qui est comme interdit dans le camp. Vous vous souvenez? Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Pourquoi ça ne marche pas? Il dit, mais parce qu'il y a un interdit, je ne suis pas là. Où se trouve cet interdit? Il dit, mais il y a quelqu'un dans le camp. Vous vous souvenez? Amen. Alors, quand on a demandé, posé la question, tous se sont cachés, et puis l'autre pensait qu'effectivement, qu'on ne trouverait pas que Dieu serait aveugle. Finalement, vous savez comment ça s'est passé, non? C'est arrivé jusqu'à quand? Regardez ce qui est triste et dommage, vous allez voir. Non seulement lui, mais toute sa famille entière. Lisez la Bible. Quand Adam donc avait ses expériences avec Dieu, effectivement, qui parlait, auquel Dieu s'adressa, eh ben, Ève n'était pas là. Vous me suivez? Et pour que vous compreniez. Puis Ève vient. Adam se réjouit ça, effectivement, ainsi. Et tout d'un coup, le malin vient aussi, donc les serpents anciens. Donc pendant tout ce temps-là que les serpents étaient là, il observait Adam, il dit, celui-là, c'est du béton pur et simple. Que Dieu vous bénisse. Lui, pour la parole de Dieu, ah non, 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 c'est un bloc. Dieu est bon. Ne jouons pas avec les choses de Dieu, mon frère et soeur. Même si tous les hommes peuvent vous abandonner et qui veulent vous abandonner, amen. Ne suppliez jamais amen. Quelqu'un de rester avec vous. Amen. Pour la cause de l'évangile. Dieu ne nous a pas appelés à devenir des copains, des copines, effectivement aussi. Non, 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 ça c'est. Amen, amen. Nous l'avons lu ici aussi avec vous une fois dans les Saintes Écritures. Nous revenons toujours à Genèse et puis nous lirons Ézéchiel chapitre 18 que nous avons lu. C'est cela que nous devons garder à la pensée. Vous avez remarqué que. Dans le livre de Job, on dit, lui est un homme, donc, d'une Job qui vient de la ville d'Utz. Vous connaissez, non? Et nous avons lu la version exacte correcte, effectivement, il dit, mais cet homme était parfait. Vous avez remarqué que Satan parcourait toute la terre, mais ne s'est jamais approché de Job. Mais bien sûr, il ne s'est jamais approché de Job. Pourquoi? Parce qu'il a regardé et dit, celui-là, non, c'est un béton. C'est Dieu lui-même qui lui a dit. Oui, qui lui a permis pour que nous soyons, nous aussi, avoir ce témoignage. Afin de comprendre qu'effectivement, que quand un homme ou une femme sert vraiment Dieu de tout son cœur, Satan, il sait où il s'en tient. C'est pour ça que Dieu dit, mais as-tu remarqué? C'est lui qui a attiré l'attention. Parce qu'il fouillait, bien sûr que oui.
mon serviteur Job. Et puis lui répond, oui, tu l'as gardé. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'approcher quand quelqu'un tient dans la... C'est pour ça, mon frère et ma soeur, ne vendez jamais votre droit d'aînesse pour des bêtises inutiles. Même s'il faut manquer du pain, ne vous vendez pas. Puis ne regardez pas, oui, celui-là, parce qu'il fait, moi si je vais faire, non. N'oubliez jamais ce que vous entendez ici quand on parle de Dieu. Il y a donc bien deux semences. Celle de Dieu et celle du malin. Donc, nous retournons vite. Et voilà que quand le serpent a observé, il a regardé, il dit, lui Adam, il connaît son Dieu. Lui Adam, il a l'expérience avec son Dieu, effectivement. Et lui, il se tient toujours dans les choses de Dieu. Quand Dieu lui a dit, comme il avait dit, effectivement, il a passé là-bas. Adam ne faisait que ce que Dieu lui disait. Oui, bien sûr. L'obéissance. C'est pour ça que Dieu s'est soucié toujours de lui, en fait. Regardez. Je ne sais pas comment vous le dire, frère, ce n'est pas l'histoire. Mais c'est pour ton bien. Sœur, frère, tu pleures, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Dit, mais toi, mets-toi simplement, t'es confié dans le Seigneur. Fais ce que Dieu te demande de faire. Il va chercher du travail pour toi. C'est sûr. Sûr et certain. Si. Il va le faire. C'est comme ça que la Bible nous fait savoir que Job, là, il pensait à Dieu. Il dit, toujours Dieu. Il faisait que ce Dieu. Et Dieu s'est soucié de lui. Il se disait, qu'est-ce que je vais faire de bien pour lui? C'est pour ça que nous avons Dieu, en fait. Parce que dans le camp, dans les temps les plus difficiles, quand nous sommes dans l'épreuve, nous n'avons personne pour pouvoir nous aider. Nous avons besoin de lui. C'est pour ça qu'il existe. Pour qu'on appelle à lui. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il nous a dit, tournez les regards vers moi. Vous serez sauvés. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes... Toujours. Tu dis, Seigneur, quand tu as créé Adam, quand on a même lu qu'Adam a vécu, même à partir de 800 ans, mettons comme il n'y avait pas de maladie dans son corps. On ne nous a pas dit qu'on a vu qu'il a commencé à avoir des problèmes de ci, de cela, et de ceci, ceci. Non, il n'y en avait pas. Tu peux lui dire. Parce que tu étais celui qui prenait soin de sa santé, de tout. Tu étais son médecin. Il n'y avait pas un cabinet où il allait consulter tous les jours. Et puis, Seigneur, tu n'as pas changé. C'est comme ça que, observant et voyant, il vint maintenant, il regarda, il vit quelqu'un qui était là. C'est Ève. Il regarde bien, il dit, c'est lui-ci, c'est là, je vais tenter ma chance. Ah, parce que il n'a pas une expérience profonde avec Dieu comme Adam. Il vient donc de sortir quand même là, effectivement, mais Adam a été vraiment depuis longtemps, il connaît Dieu, effectivement, il a confiance, vraiment, lui, si tu le bouges, tu vas tomber par terre. Mais c'est lui-ci qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ah. Pensez-vous pour quelle raison Dieu, en fait, effectivement aussi, dans son œuvre, il ne prend pas des gamins, il prend quand même des gens qui sont quand même qu'on appelle des anciens. Vous n'avez jamais peut-être pensé un tout petit peu. C'est pour ça que... Bref.
Dieu est grand. Ouais. Il contrôle vraiment les choses. Et c'est que si je dis ça, c'est 100%, vous allez penser dans ce sens ici. C'est vrai. Il y a des choses qui attendront peut-être quand Dieu voudra que ce soit fait, que vous ayez une maturation, que vous compreniez les choses de la bonne manière. Bon, bref. Donc, il va effectivement, il voit que celle-là, pas beaucoup d'expérience, pas confiance en Dieu, parce qu'il n'a pas connu vraiment Dieu dans sa puissance. Vous vous souvenez, non? Alors dit, avec lui, avec celle-là, je vais arriver à pouvoir trouver le moyen de pouvoir effectivement aussi accomplir mes desseins en moi. Le dessein du serpent était quoi? C'était en fait que l'homme ne vive pas. Vous me suivez? Si vous ne le croyez pas, la maladie est venue de qui? Donc, le dessein du serpent pour l'homme, c'était que l'homme ne puisse pas vivre, en fait. Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui vous pousse à la désobéissance. Son intention, c'est que vous puissiez mourir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui... Mais avant, il n'avait pas été dit ça. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Alors, il est venu. De quelle manière il s'est donc introduit? Regardez très bien, frères et sœurs. Le Seigneur, notre Sauveur, il a une sagesse tout à fait extraordinaire. Vous vous souvenez de la parabole de Matthieu, chapitre 13. Il y a des chapitres et versets qui doivent rester quand même marqués en vous. Quand on dit que vous vous souvenez, ça revient parce que ça reviendra toujours tout au long des prédications, des enseignements de la vie, parce que c'est quand même la base. Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. La semence qui est tombée le long du chemin. Regardons très bien d'abord cela. On va dans Matthieu, chapitre 13, je pense que c'est cela. Voilà. Verset 4. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous entendez cela? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut donc brûlée et sécha ainsi. Vous vous souvenez, non? Alors, maintenant, nous voyons qu'ils ont demandé, effectivement, Seigneur, donne-nous maintenant la compréhension, effectivement, de la parabole. N'est-ce pas vrai? Voilà, je pense que, c'est ici que c'est dit, donc, la compréhension de cela. Je pense que c'était mieux qu'il nous a donné cela dans le livre. Bon, nous lisons quand même. À partir du verset 17, il dit... Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long donc du... Vous savez comment? Donc... Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, vous connaissez, non?
Donc c'est dans la bonne terre, hein, c'est là. Donc ici, il nous fait comprendre qu'effectivement, que donc le malin, les malins, donc tu dis que donc on peut pas le dire que le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous avez remarqué comment les serpents est venu vers Ève. Vous m'entendez? Il ne lui a pas amené autre chose. C'est seulement la parole qu'il a eu à pouvoir entendre. Vous me suivez bien? Il lui a dit ceci. Dieu a-t-il réellement dit ce que Dieu avait quand même dit? Et que quand même, Ève avait quand même eu à pouvoir recevoir ce que Dieu avait dit. Vous me suivez? Il vient. Prenez toujours. Parce que mon frère et ma soeur, vous pouvez vous asseoir ici. Vous entendez? Et puis, on voit que vous me regardez comme vous faites attention. Mais en fait, votre attention n'est pas là. Votre attention est dans votre vêtement, dans votre cheveu, dans ceci et cela. Oui, parce que vous vous contrôlez pour voir comment on vous regarde. C'est toujours ça le problème. Il n'y a pas d'attention, malgré que vous écoutez en fait. Il y a une différence, effectivement, entre la personne qui est vraiment attentive, parce que son esprit, son cœur et ses pensées, c'est plongé dans la parole qu'il reçoit. Alors la parole pénètre où c'est? Dans l'âme. Vous verrez qu'une telle personne, quand la réunion se termine, effectivement, il sort, la conversation est différente. Parce qu'il a reçu quelque chose qui a touché son âme, qui lui pousse à réfléchir, mon frère. Bien sûr, mon frère. La Bible nous dit que la parole de Dieu en elle se trouve la vie. Donc s'il rentre en toi, il ne va pas te laisser tranquille là. Tu ne peux pas sortir comme tu étais venu. Ça doit faire quelque chose. Ça doit pousser à quelque chose. Une telle personne, ma semence est tombée dans la bonne terre. Parce que qu'est-ce qui se fait? Elle doit germer. Parce qu'il y a les résultats, c'est quoi? Porter du fruit. Mais l'autre, ça rentre, non, et ça reste flottant. Alors les diables le voient. Celui-ci ne s'y est pas donné, n'a pas fait même attention. Il dit alléluia, mais en fait, c'est superficiel. Donc je vois que la parole, oh, c'est la même parole que la puissance de transformer, de te changer, de t'enlever, etc. Oui, bien sûr. Et il voit cela. Il voit ton incertitude, effectivement. Tu n'as pas confiance dans ce qu'on vient de te dire. Oh, oui, monsieur et madame. Alors il vient. C'est pour ça qu'il s'est approché. Dieu a-t-il réellement dit? Pour celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, tu n'as même pas lui posé la question. Parce que la semence qui est rentrée fait son travail. Donc il sait que ça, c'est la parole de Dieu. Ça ne me laisse pas tranquille. C'est la parole. Tu ne peux même pas poser la question à Dieu. Mais il a dit. C'est ce qu'il a dit. On se pose même plus la question, est-ce que c'est vraiment des dieux? Parce que les diables vous voient très bien. Quand vous écoutez, lorsque la parole sort, on dit, oh, moi, c'est exagère. Il sait tout ça. Il voit très bien. Bien sûr que oui. Vous n'oubliez pas que c'est quand même un esprit. Bien sûr. C'est pour ça qu'il lui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà que les vertiges commencent à pouvoir toucher la personne pour maintenant pouvoir savoir répondre. Est-ce que la réponse que je donne, et c'est vraiment cela? Parce que la personne n'a pas prêté attention. Vous me regardez, vous me dites, mes frères, tu dis, mais je vais vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham?
Il a dit que oui, oui, vous reconnaissez cela. Il a dit, mais oui, mais Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Il dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. N'est-ce pas vrai? Vous savez à quel âge Dieu a donné la promesse à Abraham? Lorsqu'il avait près de 100 ans, donc 100. Et Sarah, 80 quelques. Est-ce que vous me suivez? Merci. Et la Bible nous dit effectivement que vous savez, ça a pris quand même du temps, hein? 25 ans, n'est-ce pas? Bon, ajoutez. 100 plus le. Vous connaissez, non? Alors, les années qui commencent à pouvoir passer, le corps déjà de l'homme, vous connaissez, non? Parce que c'était comme la Bible l'a fait, ça va. Et il est très bien. Les corps commencent à pouvoir. Vous connaissez à partir des années 6, non? Vous connaissez quand même. Parce qu'Abraham, c'est Genèse 11, n'est-ce pas? Oui, c'était. Vous me suivez, frère. Vous vous souvenez, c'est que Dieu avait dit effectivement que je détruirais les jours de l'homme sont limités à 100. Vous connaissez, non? Bon. Abraham devait attendre pendant 25 ans. Et là, on nous fait savoir que un combat s'est commencé à se présenter vers lui. C'était quoi? Le diable lui vient. Abraham, regarde, 115, 120, regarde ton corps. Il est déjà usé. Vous vous souvenez, non? Il est déjà usé. Tu peux espérer de quoi encore? Mais Abraham, lui, il avait une expérience avec Dieu. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, il a entendu, quitte ton père et ta mère. Je te bénirai. Et puis il lui a dit, en Isaac. Donc cet homme-là, la parole n'est pas rentrée ici. Et sortir là-bas et penser à ses moutons, à tout ceci. Non! Elle est rentrée dedans. Il savait très bien que c'était Dieu qui lui avait dit cela. C'est pour ça la Bible dit, mais il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia! Amen. Mais il y a une pleine conviction. Que ce que ce Dieu promet, parce qu'il les connaît. Il savait effectivement qu'il était vieux, avancé en âge, sa femme aussi passe, ménopausée vieille, mais de cette femme, de ce monsieur qui était vieux, ils ont eu un fils. Amen. Qui vient de qui? Mais c'est de Dieu là. Amen. Mais là, quand le diable venait, tu es déjà avancé en âge, tu ne peux pas, et tu peux pas possible, et ça montre qu'effectivement, qu'il regarde même ton état. Il avait une pleine conviction que ce que Dieu promettait, il accomplit toujours. C'est nous qui jouons en fait avec ce qu'on appelle la soi-disant, c'est la soi-disant foi en fait. Nous croyons en Dieu, frères et sœurs, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Beaucoup trouvent que c'est dur. Assemblée à Scarbeck, c'est dur. On vient, c'est dur. On ne peut pas, c'est dur. Mais si vous saviez, frère, vous pensez, parce que beaucoup de gens disent, ah non, on ne va pas. J'ai toujours dit, frère, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Mais il y a toujours un peuple de Dieu qui va écouter la parole. Même quand c'est dur. Et c'est en eux, et c'est pour eux, que Dieu donne cette parole, effectivement. Pour quelle raison? Parce qu'il taille. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas des poubelles que Dieu est venu chercher. Non, Dieu est venu chercher sa propre nature. Amen. Adam était à sa ressemblance, à son image. Il est donc l'image du Dieu. Ah. Et puis on dit, le premier-né de toute la création. Voilà.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont donc passées. Merci beaucoup. Vous comprenez, mon frère et ma soeur, que ce n'est pas des saletés, des poubelles que Dieu vient chercher. Ce n'est pas de oh, moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas me dire de toute façon, je n'ai rien à faire avec ce qui. Il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas. Que Dieu nous aide. Parce que nous comprenons effectivement le but exact de notre appel. Afin que vous compreniez effectivement. C'est dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu effectivement donc tard. Pourquoi Dieu nous a donc appelés? Alors, il vient donc, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça que nous devons toujours être conscients, parce que Dieu est toujours, parce que tout a commencé à la Genèse, on savait bien, très bien. C'est comme ça, ça s'est développé pour lui, effectivement, aussi. Jetons qu'on joue devant Dieu, devant Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est devant Dieu, les vivants et les morts. De Timothée 4. Pêche la parole. Insiste. En toute occasion. Favorable. Ou non favorable. Qu'il te regarde avec des regards. On n'en a rien à faire. Que les autres applaudissent effectivement. Et dit prêche quand même là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses très agréables, ils vont faire quoi? Ils vont se donner une foule de. Savez-vous que Satan est docteur aussi? Ah ben, pas comme vous. Notre docteur, c'est notre doctrine. Vous comprenez? C'est ça. C'est les docteurs de mensonges. Les grands diplômés. Lui, il a vraiment les diplômes. Et puis, non seulement il est le docteur, mais il est le père. Donc, le père, quoi. Et quand il parle, effectivement, du mensonge, c'est le fonfon qu'il dégage. Donc, il a l'expérience dans le mensonge. Vous me suivez? Ainsi, quand il vient vers toi, il se déguise en grand docteur. N'avez-vous pas remarqué que quand le Seigneur est allé dans le désert, effectivement, aussi, puis il vient lui dire, il est écrit. Il est docteur, hein? Il est docteur de mensonges. Et le Seigneur le regarde et dit, il est aussi. Ah, que Dieu nous aide, mon frère, pour que la parole soit placée à sa juste place. C'est comme ça qu'en faisant façonner effectivement si la pensée de Ève. Il a poussé à pouvoir aller au raisonnement en fait. Dieu a-t-il réellement dit? Vous allez le lire, hein? Genèse chapitre 3. Voilà. Merci. Ah, il y a une question. Voilà. Verset 1 dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il n'y a même plus de point d'interrogation. Il faut voir l'intonation, en fait. Hein. L'intonation, c'est même si on prend la question, c'est pour te pousser dans un sens. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fouille de l'arbre qui est connaissant que le milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Écoutez maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit?
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors là, la femme maintenant, elle entend maintenant la version qu'on lui donne. Souvenez-vous à qui est-ce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit ça à qui? Je donne. Vous savez, quand Dieu établit un homme, les ministères ne sont pas là pour pouvoir que les gens se disent, je suis, bah, venez pour faire ça, je suis prespirant, qu'on puisse applaudir, qu'on puisse suivre derrière. Ça, je crois que vous vous trompez des lieux. Non, c'est pas ça, que c'est pas pour rien que Dieu. Parce que vous remarquerez très bien, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas tellement mystère, ils aiment tellement faire des pataclans, des patatins pour plaire aux gens, pour que les gens applaudissent. Enfin, ah, quand moi je passe de la chair, les gens sont contents. Je regarde souvent, ils sont contents, ils ont obligé de dire, il n'a pas encore compris. C'est pas un lieu de plaisance. C'était un lieu de jugement. Hein, quand Dieu vous tient dans sa main, vous ne serez pas aimé. Et c'est la vérité, je le répète toujours, et c'est vrai ça. Parce que vous ne vous conformerez jamais aux règles des hommes, hein, ni aux attentes des hommes, mais simplement à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne tiennent pas. Ils peuvent tenir un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, puis quelques temps après, bah, boum. Ils vont trouver une petite raison quelque part. C'est pour ça que Dieu, je reviens ici dans la Genèse, c'est pour ça que le Seigneur dit, il pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Ils sont toujours dit, mais cette parole est dure et dure, qui peut supporter? Dieu, la parole de Dieu devient dure, mais gloire à Dieu, que son nom soit béni. Oui, qui peut le supporter? Et depuis ce jour-là, ils sont partis. Mais il pose la question à ceux qui étaient restés, pourquoi vous, vous ne vous en allez pas vous aussi? Vous pouvez partir aussi, ce qui moi, je ne vous lis pas. N'est-ce pas moi, dit-il, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais je sais une chose, que l'un de vous est un démon. Il s'accroche quand même, mais à un certain moment, il va fuir. J'aime vraiment les... Je vous l'ai toujours dit ici, non? Le Seigneur n'a jamais chassé Judas. Il y a des gens qui sont membres, que Dieu ait pitié d'eux. Ils font le film montant que j'ai déjà des disciples. Et puis en certain moment, ils montrent que, parce que Dieu ait pitié de ce que j'ai, pardonne-moi mon sauveur. Ils mettent le ballon. Et bien, comme si le Seigneur jouait avec le ballon à ses disciples. Et puis avec Pierre, ça va. Et puis quand il voit Judas, il fait boum pour pousser Judas. Il faut vraiment être quand même quelqu'un. Il va à ce point-là sur autre chose. Enfin bon, ce sont des hommes charnels. Bien sûr. Mais le Seigneur n'a jamais fait ça. C'est Judas lui-même. Il a voulu ça parce que vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les choses deviennent dures maintenant, on monte de plus haut, c'est très difficile que le corbeau puisse résister parce que la hauteur, et c'est vrai, la hauteur devient tellement si haute, eh ben, il doit lâcher prise. Cet exemple de la nature, effectivement, avec les oiseaux, comme on parle effectivement de l'aigle, et c'est vrai, l'aigle est quand même doté d'une capacité particulière. Il peut s'éteindre sur la terre, il peut monter à hauteur avec les autres oiseaux, il peut encore monter un peu plus haut, mais il peut encore atteindre encore plus haut. Et quand maintenant ça demande d'aller encore plus haut, l'aigle continue à monter toujours, mais il va atteindre des hauteurs parce qu'il est constitué comme ça. Les autres abandonnent. Parce qu'on ne peut plus atteindre ces niveaux, ou bien on attrape une folie, et puis... On va vers l'oiseau, commence à tourner, il imite n'importe quoi. Parce que, c'est ça en fait.
Ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous attendez de Dieu en fait. Moi, je reprends et je châtie tout ce que je reconnais comme mien. Si Dieu est dur avec toi, c'est parce qu'il te connaît. C'est sûr et certain. Il sait que toi, il veut atteindre un objectif avec toi. Alors il ne va pas être dans la souplesse comme les autres. Que Dieu nous donne du temps, mon frère, parce que nous ne sommes pas encore rentrés. Et je le dis, c'est vrai, dans ce que nous avons à lire, que nous avons de lire dans Ézéchiel. Oui, c'est vrai cela. Vous vous souvenez quand même de Job, non? Parce que Dieu connaissait Job. C'est pour ça qu'il a voulu le faire passer là-dedans. Il savait que Job ne pouvait pas abandonner Dieu. Mais si c'était quelqu'un d'autre, déjà longtemps. Il sait qui nous sommes. Alors, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Alors, regardez très bien. Il lui faisait voir, dit, mais il dit. Et puis, elle répondit, la femme répondit, effectivement, parce que vous devez savoir sur quoi vous vous basez, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, la parole dit ceci, effectivement, mais dans votre fort intérieur, est-ce que vous croyez cela? Parce que quand vous croyez, bon, on le voit, en fait. Autrement, c'est simplement, comme la Bible le dit, ce peuple est mon or de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné donc de moi. Verset 4. Alors le Seigneur répondit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Et regarde la phrase, comment elle est bien composée. Très alléchante. Ce qui veut dire que ça a commencé à travailler dans la tête de la femme. Parce que il n'avait pas une fermeté de conviction dans la parole que Dieu a eu à pouvoir dire. C'est ça la source de problème. Quand une personne entend la parole de Dieu, ne la comprend pas. Matthieu 13. Vous suivez bien. Le diable, il vient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il enlève. Il enlève quoi? Matthieu 13, hein, vous... On redisait, c'est Matthieu 13, regardez très bien. Nous avons lu avec vous, hein, Matthieu 13, voilà, c'est cela. Et voilà. Verset 18, verset 19, pardon. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé où c'est. Pourquoi est-ce qu'il enlève? Ça, c'est Luc 8 qui va vous dire, effectivement, si vous connaissez, nous avons lu, effectivement. Donc, il enlève. Ce qui veut dire que... Cette parole n'a pas trouvé même des racines, effectivement, sur les dents de la personne. Il a écouté, il s'est réjoui à un moment. Pour les sinon, il s'est réjoui, effectivement, aussi. Et les diables voient qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de persévérance. Il n'y a rien, parce qu'il ne la saisit pas, il n'a pas d'assurance que cette parole ici est vraiment vraie, ce que Dieu a déclaré. C'est comme ça qu'il est venu donc parler à Ève. Et quand Ève a entendu effectivement la version, il donne toujours l'allégresse effectivement pour les gens, alors il a vu que ce fruit était beau. Vous entendez, non? On est sorti maintenant, on t'a fait sortir du spirituel. Ouais. Écoutez, s'il vous plaît, un peu d'attention. Tu sais ce que je sais, le temps avance, mais c'est important.
Donc, on t'a fait sortir. Parce que la Bible dit que c'est toujours spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Et c'est par la foi qu'on la saisit, qu'on la reçoit. Mais quand maintenant tu sors, le charnel maintenant prend place maintenant, c'est fini. On a pris le contrôle. Parce qu'il dit ici, je pense que c'est ce que la Bible dit ici, verset 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon. On était dans la parole de Dieu, dans l'obéissance des choses. C'est-à-dire la parole est toujours spirituelle, pas matérielle. Mais c'est là qu'a dit donc la puissance. C'est un bouclier protecteur pour toi. Mais maintenant, quand on te fait sortir, c'est ça le problème. Tu sors de là, le diable prend le contrôle. Et maintenant, il t'amène maintenant avec les yeux. Ah! Évidemment, parce que si je vous... Parce que vous dites là, mais frère, quand même, comment tu peux nous raconter ça? Je vais vous poser la question de savoir. Vous me suivez? Adam et Ève, ils étaient comment? Nus! Ça ne les gênait pas! C'était qui dans la Bible? Hein? Sans vêtements, tout à fait nus! Pas de problème! Ils étaient ensemble, pas de problème! Mais quand on l'a ramené maintenant, parce qu'il était toujours spirituel, mon frère, bien sûr que oui. Quand on l'a fait sortir maintenant de la parole, parce que c'est spirituel la parole de Dieu, elle est rentrée maintenant dans l'autre dimension, les yeux se sont ouverts, et l'a vu, qui était, je dis bien ici, hein, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à. Oui. C'est ça le problème que nous avons. Vous me suivez? Agréable. C'est ce que le diable fait jusqu'à aujourd'hui. Il vous met un plein dans les yeux. Il vous fait sortir, effectivement, pour ne pas rester dans le domaine spirituel, plein dans les yeux. Et quand vous regardez, vos yeux commencent à tournailler. C'est fini. Tu commences à dire, mais Dieu a dit, vraiment dit, Dieu, quand même, il est... Et puis tu commences à trouver des échappatoires quelque part. Oh, Dieu, il est bon. Dieu, c'est comme ça. Non, mais, madame, Dieu ne change pas. Même si ton papa te dit que, pour faire ceci, Dieu ne peut pas, il n'y a pas de problème. Même si ta maman te dit, mais quand Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Il a vu que ses yeux étaient dans le... C'est pour ça, frère, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nos yeux ne voient pas? Dans les réseaux sociaux, dans ces sciences-là, vous ne voyez que ça. Le monde en plein. Télévision, réseaux sociaux, partout où vous passez. Et vu que c'était agréable à la vue, voyons. Je pense que vous commencez à comprendre. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors, il a fait sortir des usines pour cela. Ce n'est pas aujourd'hui avec ce que nous avons comme adversaire. Ça a commencé depuis très longtemps. Pourquoi vous montez en chocotine quand la parole de Dieu sort? Et déjà, dans la Genèse, vous comprenez maintenant pourquoi? Alors là, il a oublié même ce que Dieu avait dit. Il a pris maintenant ce que Satan a eu à pouvoir donner. C'est à ce moment-là, effectivement, que vous comprenez ce qui s'est passé par la suite, donc. Alors, si vous l'ignorez, donc vous allez comprendre quand même que... Vous me suivez, frère? Aïe, que Dieu nous aide. Vous allez comprendre qu'effectivement, que vous comprenez ce qui s'est passé. Parce que la Bible nous dit que... Caïn était de qui? Du malin. Donc le malin a posé sa semence. Je ne vais pas faire des dessins quand même. Non, frère, ne fais pas de dessins. Donc c'est bon. C'est pour ça qu'on dit que Adam connut encore sa femme et conçut, enfanta donc Abel. On connaissait donc.
Vous avez compris, mais de connaître, ce n'est pas qu'on va être amis. Hein? C'était clair, hein, dans la Genèse avec notre... Abraham avec Lot, vous vous souvenez? Quand cet homme se dit, fais-les sortir pour que nous les connaissions. Il avait suivi quand même. Vous vous souvenez plus? Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas fatigué? Vous aimez bien la parole? C'est ainsi que quand elle sortit de la parole, vous comprenez ce qui s'est passé. Ah, maintenant, elle courut vers son mari. Je vais pas rentrer dans le détail. Et ça, c'est fait. Et puis, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant vient. Lui qui venait toujours. Et quand il venait, tout le dé était toujours lui. Vous vous souvenez? Mais il n'y avait pas de problème. Adam lui mettait nu, il n'y a pas de problème. Et quand Dieu descendait, il avait communé. Maintenant, quand Dieu vint, il cria, mais Adam, où es-tu? Le lieu de rendez-vous, je ne te trouve plus. Tu as changé de place. Tu ne te trouves plus au lieu de rendez-vous. C'est la vérité. Je me suis caché. C'est ça, frères et sœurs. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise quand vous venez à l'assemblée. Et vous commencez à vous absenter. Bien sûr que oui. Parce qu'il y a une sémence là qui est entrée quelque part. Avant, vous étiez bien. Vous étiez tellement bien dans la joie. Vous aimez la parole de Dieu, qu'elle soit dure ou pas, vous y étiez. Mais à cet moment, le goût n'est plus, on vient pour formalité. Et les monstres vous accompagnent aussi. Que Dieu nous pardonne, qu'il nous aide, mon frère. Les choses doivent changer. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es donc tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis répands-toi. Seigneur, j'ai avalé autre chose. Parce que maintenant, mes yeux ne voient plus comme je te voyais à l'époque. Avec tout ce que j'ai des réseaux sociaux, maintenant, on m'a présenté tout. Bien sûr que oui. Le monde est devenu en plein. Que Dieu ait pitié de nous, mon frère. Vous justifiez les choses, il ne faut même pas justifier. Ce que le Seigneur dit, c'est que je veux pas, c'est que je ne veux pas que les méchants meurent, mais qu'ils se répandent et se convertissent et qu'ils vivent. Souvenez-vous du verre de poison et du verre d'eau. Il faut vraiment ne pas voir quand même le fils qui a moins d'intelligence pour qu'on te convainque de boire ce verre de poison. Au lieu de prendre le verre d'eau. Que Dieu nous aide. C'est moi qui dit, mais Adam, où es-tu? Tu ne peux pas me trouver à l'endroit où tu m'avais placé parce que ce n'est plus possible. Je ne peux pas supporter effectivement aussi la sainteté de la parole. Parce que quand tu n'es pas en ordre avec la parole de Dieu, lorsque tu viens dans le quand la parole sort, tu te sens mal à l'aise. C'est pour ça qu'on devient nerveux. On pourra faire, on dit même plus bonjour parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Non, ça ne va pas. Mais jusqu'à quand te cacheras-tu, mon frère, ma soeur?
C'est toujours Dieu qui vient te chercher. Adam s'est caché, c'était terminé pour lui. Mais Dieu vient toujours au lieu de rendez-vous. Bien sûr, mon frère. C'est ça que, comme la chorale l'a chanté tout à l'heure, c'est une grâce imméritée en fait. Quand tout se terminera ici-bas. Ça valait la peine de souffrir pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais te dire merci. Le cœur que nous avons est vraiment touché, le mien, Père. De réaliser vraiment, Père Saint, combien tu es vraiment précieux et glorieux et ta parole est vraiment tellement si importante, mon roi, que parfois on ne l'imagine pas, mon Seigneur. Je t'en supplie. Viens-nous en aide encore aujourd'hui, Père Saint. Avant que ce soit trop tard, mon Sauveur béni. J'ai besoin de toi, mon Père. J'ai aussi besoin de toi pour le mien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ce peuple qui est à toi, mon bien-aimé Père Puissant, je t'en supplie. L'heure est tellement avancée. On ne se rend pas compte, mon Seigneur Jésus. Il est plus tard qu'on ne se rend pas compte, mon bien-aimé Père. Nous n'avons pas besoin de suivre les train-train des églises et de cela, peu importe, même si les gens nous critiquent et nous insultent, mon roi, nous méprisent. Nous voulons demeurer dans cet ancien évangile, mon sauveur. Dans cette parole de Dieu pure, non altérée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, c'est l'âge le plus terrible dans lequel nous vivons. Maintenant, nous réalisons, je réalise encore plus, de plus en plus, encore davantage, mon roi. Avant, c'était pas comme ça. On avait des frères. On croyait que c'était des nôtres, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il y avait cet engouement. Et cette flamme, aujourd'hui, ça s'est terni de plus en plus, mon roi. Le monde a pris place dans la vie de beaucoup, Seigneur Dieu. Ils ont préféré la popularité, la gloire, parce que, avec ton évangile, c'est le propre qu'on porte, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide ton peuple, moi, à accepter de porter ton nom propre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comme ces jours-là, on les a menés au bûcher. Oh Dieu, il était là, Père Tubissant, oh Dieu, sur le poteau, pour qu'on puisse les enflammer, les brûler. D'autres ont scié, bien-aimé Père Saint-Dieu, et n'ont point renié cet évangile, Père. Je t'en supplie. Aide-nous à changer, Père. Ce peuple est à toi. Je t'en supplie, mon roi. Aide-nous à pouvoir nous accrocher, parce que le temps devient tellement dur et difficile. Le diable a déployé tous ses moyens, Père. Comme tu l'as dit, il séduit. Et c'est vraiment sa séduction est vraiment profonde, mon roi. Aide-nous encore, Père. Pardonne-nous. Soutiens-nous, Père, je t'en supplie. J'ai vraiment besoin de toi, mon roi. Je t'en supplie, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Pardonne-moi. Je te demande grâce, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Aide-moi, Père, que tout devienne en ordre comme toi tu le veux. Dans ta maison, dans tous les domaines, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, je t'en supplie. À cause de ton Seigneur, le temps n'est plus, Père Dieu, ne pouvons pas continuer comme cela, mon Sauveur béni. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui, ce matin, était donc à l'écoute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et nous a introduit dans un sujet tellement si important pour notre délivrance. Pour notre sanctification, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et l'âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, je t'en supplie, mon roi. Arrache, aide-nous encore, mon bien-aimé Père.
Merci, Sauveur. Gloire et honneur à toi. Pour ce que tu es, je te remercie, Jésus-Christ, mon roi. Merci parce que tu es vraiment vivant et présent. C'est toi qui opères le changement. Oh, tu nettoies le cœur davantage. Tu donnes un cœur nouveau, mon Sauveur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Protège-les, Père Dieu. Dans cette génération qui est déjà perdue, son Dieu, complètement détruite, mon roi. Parce que on considère aujourd'hui le mal comme c'était le bien, mon Seigneur. Oh Jésus, mon roi. Tu reviens bientôt, mon Seigneur et de nos pères. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon roi. Aide-nous à être droit, juste, correct. Avec un cœur sincère, nous tenons effectivement dans ta parole à toi, mon bénévole Père. Je te suis reconnaissant. Pardonne-nous. Oh, continue davantage de nous éclairer, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père Saint-Dieu, à vraiment complètement être séparés de tout ce qui touche le monde, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je te demande grâce, mon Jésus. Protège ces enfants, protège ces âmes, ton peuple à toi. Je t'en supplie, ces enfants que tu nous as donné la grâce de voir, Seigneur, qu'ils se tiennent dans ta présence, mon Sauveur. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu fais. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci pour ce que tu fais. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Et encore aujourd'hui, encore, mon Sauveur. Merci. Merci, Père. Merci, mon Jésus. Merci, mon Sauveur. Nous te voulons encore plus dans l'âme, dans tout ce que nous sommes. Je t'en supplie pour cette œuvre grandiose que tu as accomplie encore. Et pardonne-moi et soutiens-nous, Père. Merci. 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 Père, c'est le désir du plus profond de notre cœur. Que nous n'ayons rien à voir avec le malin, Père, je t'en supplie. Délivre nos enfants, nos petits-enfants, et sois sous ton sang protégé, Père. Nos frères, nos sœurs, oh Jésus, les jeunes, Père Tubissant Dieu, comme les âgés aussi, mon bénévole Père Tubissant, nous voulons revenir à cet amour de la parole divine, Seigneur Père Tubissant Dieu. Que ce que toi tu dis est toujours notre absolu et. Peu importe, même si tout le monde nous abandonne, Père Saint-Dieu, nous tiendrons toujours à cet évangile béni parce que nous savons qui tu es qui nous a parlé, nous savons qui tu es qui nous a appris cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons expérimenté vraiment ta puissance, ta parole et ta vie dans chacun de nos pères. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, mon Jésus, et je t'aime, mon roi. Traverser ce rideau avec ta parole, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sans compromis, mon roi, sans compromis, même s'il faut souffrir. Merci pour cela, Père Saint-Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Oh, quand je peux regarder Paul, je peux regarder Pierre, je te remercie pour de tels hommes. Jean et tout cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ce sont des hommes qui ont versé leur sang, des hommes qui ont accepté de mourir au lieu de pouvoir faire des compromis, Père Saint-Dieu. Tu ne manqueras jamais des hommes et des femmes précises, Père Saint-Dieu, un peuple de Dieu qui s'accroche à toi et qui t'aime, Seigneur. Tu n'en manqueras pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu ne veux pas des comédiens, mais tu veux des vrais. Tu veux un peuple vrai. C'est ce à quoi tu nous appelles encore, tu nous attires, mon Père. Je t'en supplie, Père. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire te soit rendue, Père. Fais-nous vivre, mon Père. Oh non, mon Père, qu'il n'y en ait plus, mon bénévole Seigneur. Et nous soyons vraiment affermis dans la foi et que nos enfants se tiennent pour tes vrais, Père. Je t'en supplie, mon roi. Nous avons besoin de cela. Même si les hommes nous rejettent,
ne voulons pas suivre ce que les hommes ni le monde veut, Seigneur. Oh, même si on nous catalogue comme étant des gens qui ne sont pas de cette période de l'impatibilité, Saint-Dieu, mais nous vivons comme l'Évangile le demande, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en supplie. Je te demande grâce pour moi. Pardonne-nous. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci. 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 Merci, ça va. Je voudrais choisir de vivre pour toi, d'accepter l'opprobre de ton nom. Oui, mon Père, c'est la vérité, Père. Jésus-Christ, mon roi, tu t'es fait connaître à nous, mon Seigneur. Nous te connaissons. Peu nous importe ce que nous pouvons avoir passé au Dieu. Nous te connaissons, mon Sauveur béni. On ne peut pas abandonner ta voix. Aide mon frère et de ma soeur à tenir encore ferme, mon Sauveur béni. Nous avons besoin de toi. Nous te voulons, Père Dieu. Tu n'as jamais été populaire sur la terre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Homme de douleur et abandonné les tous, mon bien-aimé Père Tissant. Oh, que ton nom soit béni. Nous voulons suivre cette voie, Seigneur Jésus, oh Dieu. Le monde ne t'a jamais accepté. Le monde ne t'a jamais aimé, Seigneur. Et tu as dit, Simon, haïs vous haïront aussi, Seigneur. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Aide nos personnes que nous demeurions, que nous soyons aussi identifiés à cette parole que tu nous as donnée aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est ça l'obéissance, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Accepter et vivre et croire. Et quand bien même la tentation vient, mon Seigneur, ne sont pas cédés. Je te demande pardon pour tout, Seigneur Jésus. Aide-nous encore, mon roi. C'est une grâce, une joie de pouvoir souffrir et vivre pour toi. Ça, je l'accepte, mon Sauveur béni. Pour toi, mon bénémoine Père. Qu'elle soit gravée au-dedans de nos cœurs, sans Dieu, afin que nous puissions tenir. C'est la vérité, comme tu l'as dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est vrai, Père Dieu. Nous voulons la méditer jour et nuit. Restez attachés à cela, mon bénémoine Père Dieu. Rien ne nous importe ce que le monde peut porter. Jésus revient, mon Sauveur. Reviens, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, la parole qui est à toi fasse un effet. Je t'en supplie, comme au jour d'autrefois, mon Maître béni. Nous voulons nous positionner pour que tu arroses encore davantage, mon Père. Que tu arroses, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Davantage, mon roi, oui, Père Saint-Dieu, pour que cette sémence que toi tu sèmes, que nous voulons garder dans notre cœur, mon bien-aimé Père, je t'en supplie, louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci, 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 Sauveur. Oh, mon Maître béni, merci, Sauveur. Merci, Père, merci. Prends le contrôle. Prends le contrôle, mon Sauveur, de ma vie, mon bien-aimé Père. Merci. Oui, Père, qu'elle prenne la place dans notre cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Oh, Jésus, mon roi, sois béni. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons vivre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ta gloire à toi. Posséder la parole de vie, Seigneur. T'es gardé, ne passe pas outre, mon roi. Ne passe pas outre. Je ne peux pas te chasser dans ma vie, Seigneur. Tu as toujours été le Dieu de bonheur malgré les difficultés que je traverse. Tu es toujours présent pour me consoler, Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci, mon Père Saint-Dieu. Gloire à toi et honneur à toi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour et ta beauté. Gloire à toi et honneur à toi. Merci, Père. Quand tout se terminera ici, ça l'a te privé. Yeah.
de servir Jésus, salvader la terre, de souffrir, I'm not afraid.